Par contre, les effets là sur la porte, c'est pas. C'est bien fait, mais sans plus, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Non! On a été téléporté? Ah, je pensais prendre mon cheval et y aller. Non mais lol quoi. Non mais saute aussi. Bon, qu'est-ce que tu veux comme mission, toi? Thomas Siki? Qu'il demande? Etam Kenway. C'est censé me dire quelque chose? N'oublie pas tes manières, toi. Du calme, Charles. William Johnson nous envoie afin que nous puissions hâter vos recherches. Y a rien besoin de hâter. Et puis ravaler votre beau parler de Londres, Milord. J'ai déjà trouvé ces sales voleurs. Alors, qu'attends-tu pour agir? Je cherche un moyen de m'occuper de cette vermine. J'ai une idée. J'écoute. Je vais tuer le guetteur et prendre position derrière les gardes. Vous deux, approchez-les par devant. Quand j'ouvrirai le feu sur eux, chargez. L'effet de surprise jouera en notre faveur. Ils auront mordu la poussière avant d'avoir compris ce qui se passe. Tuer des mercenaires avec une arme à feu. Prenez position. Mais attendez mon premier coup de feu. Non, mais le premier coup de feu, j'ai déjà tiré, mon gars. Abritez-vous à l'intérieur! Eh, ça a fonctionné, hein? First try! Hein. Nous ferons sauter la porte avec ça. Allez-y, tirez dessus! Attends, 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 laisse-moi bien comprendre la chose. Attends, t'es sérieux, je peux pas bouger? Ah oui, prends-le. Prends le flingue. Pourquoi il le prend pas? Non, prends le flingue. Il veut pas prendre le flingue. Qu'est-ce qui se passe encore avec ce jeu? Ah bah alors là, les mecs, je comprends pas. Attends, pause. Je suis désolé, mais il y a quelque chose qui va pas. Clavier souris. Parce que à la manette, c'est pas la peine. Hein. Ma manette, elle fonctionne pas, donc. Je peux pas changer mes commandes.
Lui, il me dit 4 pour sélection rapide. Non. Je te demande, mais il y a un stress event. Non. Oui, mais alors pourquoi quand j'appuie sur le 1, ça ne le fait pas? Non, il y a un stress, il y a un stress. Non, range ton épée. Vise, mais non, vise avec ton arme à feu. Bon, attendez, qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais... Mon Dieu Seigneur. Tu es des mercenaires avec une arme à feu. Ah oui, ça c'est les fameux achievements. C'est quoi ça que j'ai activé? On peut lancer de l'argent comme dans un agent 47, ça c'est bon à savoir. Oui d'accord, non. Mais arrête de t'en aller. Hein. Hey, c'est les tridoies, mais j'arrive pas à l'avoir les tridoies. Parce que quand j'appuie sur droite, non, il y a un problème. Qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi? Mon Dieu Seigneur! Non, mais laisse tomber, j'ai compris. Mais non, mais tire! Pourquoi tu tires pas? Bon, c'est bugué. Et vous, bien sûr, sortez pas vos armes, tirez pas après un certain temps. Ils ne servent à rien. Mais tirez un coup, vous voyez bien que j'arrive pas à tirer. Oh, c'est pas vrai. Pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que j'y arrive pas? Mon Dieu Seigneur. Attends. On va pas continuer comme ça parce que ça commence à... Général. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas. Bon. Ils ont pas été si bien abrités là-dedans.
On va reprendre quand même un fusil comme ça parce que... Tu payeras après que nous aurons trouvé les papiers de Johnson. Oui, maître. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, un feu, ouais, ok. Il m'a appelé maître. Oula, mais c'est bon ça. Merci, j'ai pas laissé parler. Posez vos armes et je vous laisserai peut-être la vie sauve. Pas sûr. On retourne votre offre. Mon seul but est de restituer ce coffre à son légitime propriétaire. Il n'y a rien de légitime chez Johnson. Je m'impatiente. Moi aussi. C'est bon, je peux l'atteindre. Putain, mais j'ai... La caméra, s'il te plaît. Vous n'avez que faire de livres et de cartes. Pour qui travaillez-vous? Il ne se montre jamais. Il nous contacte par lettre. Mais il paie toujours rubis sur l'ongle. Eh bien, tout cela est terminé. Vous pouvez l'annoncer à vos maîtres. Ils voudront savoir qui vous êtes. Inutile. Ils le savent. Etam, celui-là est encore lesté de plomb. Vous devriez le récupérer. Votre arme est à court de balles. Tant de vies perdues. Quel gâchis. Ouais. Une vraie tragédie. Rentrons au Green Dragon. Ça m'a donné soif. Alors, j'ai été déçu du combat parce qu'il y avait la caméra qui a fait des siennes. Mais par-dessus tout, le combat s'est juste limité à appuyer sur une touche. Veille bien sur le coffre, Charles. Je m'occupe de cette vermine. Non, mais allez, quoi. Sûrement les poches pleines. Ce serait un crime de pas en profiter. Es-tu devenu fou? Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, nous avons... Bon. Non, prends un fusil. Parce que cette arme, malgré que on pourrait croire que non, elle est bien. Alors moi, je vais me mettre en hauteur. Mais je crois pas que ça soit la peine. Alors... Charles Lee a un peu perdu de vie et Thomas Aike n'en a pas perdu. Ah, c'est pas très mal. Où ils sont les ennemis? Ça va? Tout va bien? Tu peux tirer avec, s'il te plaît? Pourquoi tu veux pas tirer? Pourquoi tu veux pas tirer?
Ah ouais, il faut laisser son doigt appuyer. Eh, vous êtes bon viseur, hein. Ça fait plaisir à voir, hein. J'espère que le contenu de ce coffre en vaut la peine. Non, allez. Ces imbéciles n'ont que des couteaux. Rien de bien méchant. Ce ne sont pas ces gredins qui m'inquiètent. Les mecs, ils ont reçu des coups, tout ça. Hein. Non, allez, arrête. Ces imbéciles n'ont que des couteaux. Alors, attends. Parce qu'ici... Oula! Alors, je suis pas encore très très à l'aise avec le système de combat. Non mais la caméra, s'il te plaît. Alors, le gameplay commence à me plaire un peu plus parce qu'on est dans une ville. Et alors, il y a un truc hein, que je remarque, je ne risque rien. Non mais allô quoi. Je crois que nous en avons fini avec eux. Tu crois? En tout cas, la baïonnette, elle est intéressante. Hein. Bah allez, venez. Qu'est-ce qui se passe? Ah, après ça, Monsieur Johnson va devoir me doubler mes gages s'il veut que je reste à son service. C'est terminé. Alors, j'ai bien aimé cette scène de combat. Surtout quand j'étais avec les trois personnes qui me tatanaient. Voilà votre coffre. Merci, Master Kenway. Maintenant, dites-moi ce que vous cherchez. Les images sur cette amulette, vous sont-elles familières? Une tribu vous a-t-elle montré quelque chose qui y ressemble? Ça semble d'origine Canyon Geaga. Pouvez-vous l'associer à un endroit précis? Je dois savoir d'où elle provient. En consultant mes travaux, sans doute, je vais m'y atteler. Thomas? Quoi? Prends une chambre. Et aussi un bain. Nous allons rester ici quelque temps. Cool. Elle est toujours là? Non. Alors descendons en bas parce que apparemment il y a de l'ambiance. On peut parler à des gens? Non, s'il te plaît. Oui, alors comme je disais, le fait de se retrouver entouré de trois gars qui veulent vous tuer, et le fait de devoir contrer tout ça, c'est bien pensé, je trouve. Même si moi, j'ai pas trop réussi à contrer, je suis désolé. Ouais, continuez. Voulez-vous jouer le premier? Ouais. Non, placer mise, une mise de 10, on va placer une mise de 10. Ah oui, il faut que je bouge. Je place ma pièce.
Je sais que je dois aligner trois pièces. Alors, qu'est-ce que tu vas faire à ça? Tu réfléchis, hein? Oh putain, il m'a eu. Bah ouais, il m'a eu parce que là, il va mettre 3 pièces et il va gagner 10. Bien joué. Ah, moi je crois que tu l'as pas compris, mon gars. C'est stratégique. Mais t'as gagné, c'est indéniable. Ouais, t'as gagné. Quoi, je peux encore jouer? Ouais. Allez, allez, allez. Pourquoi je peux pas? Je peux pas la mettre? Pourquoi? Oui, t'es sympa, copain, mais si tu me laissais... Non, 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 refusez, refusez, je n'abandonne jamais. Ça va pas, non? Yeah! qu'est-ce que je peux faire, là? Là, je peux prendre ma pièce et la mettre là. Alors, je sais pas vous comment vous pourriez jouer à ce jeu-là. Mais je vais jouer ma pièce comme ça. De toute façon, je peux pas jouer autrement. Ah! Je suis coincé. Ah, quand même, je remonte, je remonte. Abandonne, t'as perdu. Non, je déconne. On va retenter un coup là. Alors là, je sais pas ce qu'il va pouvoir jouer. Ah ouais. Est-ce que je peux lui... J'ai pas vraiment de choix, hein. Mais je peux lui prendre cette pièce. Eh oui. Oh bah écoute. On va voir si ça, ça peut fonctionner. Ah. Non, mais non, mais non. Bah là c'est foutu parce que lui a 3 pièces, j'en ai que 2. Ah non, il m'en reste une. Il m'en reste une, il m'en reste une. Attendez, 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 attendez. Tac! Qu'est-ce que tu vas jouer? Qu'est-ce que tu vas jouer? Ah, j'ai perdu. 3 contre 2. Bon, je me suis amélioré, hein. Bon, j'ai... En même temps, je n'ai perdu que 10, quoi. Donc, ça va, quoi. Par contre, je me rends compte d'un truc. Oh, mais regardez qui voilà!
La Kaïra qui nous pousse. Non mais... mais non mais c'est pas possible. Madame, je crois qu'il y a un malentendu entre nous. Je suis sincèrement désolé, mais je veux juste vous parler, quoi. Voilà, je suis juste venu... Non mais... J'essaye de discuter, quoi. Je m'explique autrement. Je suis venu juste pour prendre une chambre. Je suis pas venu pour prendre la chambre et celle qui gère la chambre. C'était pas... voilà, quoi. Je m'excuse, madame, si j'ai eu un moment Non. Oula. Oh, oh. T'as reculé aussi, Gaillard, hein. T'as vu la force qu'elle a, hein. C'est dommage, mais j'aimerais bien faire une baston avec eux, quoi. Est-ce que je peux en faire une? Elle est vénère. Mademoiselle. Ah, ah, ah. Oh là là. Et la physique de ce jeu, c'est magnifique. Je m'en lasserai jamais, dis donc. Allez, pousse-moi dans le feu, là. Que je perde la vie. Oh mon dieu, on ne s'en lassera jamais. Bon écoutez, pour cet épisode, on va s'arrêter là. J'estime que c'est un bel épisode. Ah tiens, j'aurais cru que c'était la nuit. Alors... Oh purée. Non, range ton arme. Range ton arme, s'il te plaît. Range ton arme. Ce n'est pas le moment de sortir ton arme et de faire le con. La patrouille s'est désarmée de tes canailles. Allez, venez ici. Allez, venez. Vous avez vu comment cet homme... Alors je sais pas si je fais bien de... Hop. C'est ça, essaye. Voilà, je suis mort. Oh non, même pas. Non, mais c'est... Le combat est bien fait, hein. Ça, j'en suis sûr. Bah, d'ailleurs, vous voyez. Mais c'est que... Je trouve que des fois t'as pas le temps de parer, quoi. Alors apparemment il y en a encore qui sont vivants. Je peux pas ramasser l'arme si. Allez, tiens! Ce jeu est jouissif. Ça, ouais. Alors, est-ce que je peux en viser un? Alors là, ne croyez pas que...
Ne croyez pas que je les attaque comme ça sans raison. C'est pour m'améliorer au maniement des armes. Alors maintenant, moi, je vais m'enfuir parce qu'ils sont quand même... Et par contre, j'ai une barre de vie... Ah, oh, c'est magnifique. Oh, 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 oh. Mais regardez-moi ce réalisme dans le combat, quoi. Alors, il faut que je me cache parce que sinon, ça va jamais s'arrêter. Par contre, c'est pas des très bons viseurs. Hein. Je ne sais pas si le mousquet était si bon que ça en termes de visée. Alors... On va attendre que ça se... Oh, 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 oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Allez, vous êtes trop nombreux. Vous n'êtes plus intéressant pour moi. Ah, vous ne m'aurez pas, les mecs. Vous ne m'aurez pas. Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. Ce fut jouissif, un épisode jouissif. Je me suis bien amusé. Contrairement aux autres épisodes, là, je ressens Assassin's Creed. Enfin, du moins, je commence à le ressentir. Rappelez-vous, si vous voulez me soutenir, vous n'êtes pas obligé, mais c'est toujours bon de soutenir un YouTuber qui débute. Un YouTuber qui met des vidéos comme ça et qui essaye de vous mettre du contenu qui vous plaît. Il y a du travail derrière. Donc, si ça vous intéresse de me soutenir, rien de plus simple, c'est gratuit. Likez. Commentez, partagez, abonnez-vous, mettez un pouce, faites ce que vous voulez. Parlez-en autour de vous. Sachez que moi, de mon côté, bah, je continue les vidéos. J'en mettrai de plus en plus. Non pas pour faire de PewDiePie à mettre des tas de vidéos. Non, c'est juste quelques vidéos par jour, comme ça, pour vous, quoi. En tout cas, j'espère que ça vous aura fait plaisir, cet épisode. C'était le troisième épisode de Assassin's Creed 3 pour les 30 ans d'Ubisoft. Ça va peut-être pas être l'épisode 3. Hein. Peut-être que je vais faire des coupures pour qu'il y ait au moins deux épisodes. Donc, je vous dis à plus dans un prochain Geek of Gamer. C'était Angel. Bisous.